Alors, cher Jean Troisgros, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons faire un menu avec des écrevisses. Il y a eu un arrivage d'écrevisses bien vivantes. Oui, vous voyez, c'est très belle. Très jolies. Et maintenant, là, les écrevisses de pays, est-ce qu'on a des chances d'en revoir un jour? Nous, on essaie d'en faire de la reproduction au printemps. Oui. Hein. On en récolte quelques centaines de kilos par an, mais enfin, c'est pas suffisant. Alors, ces écrevisses, là, viennent de Turquie, oui, d'Yougoslavie et de Grèce. Vous êtes allé en Turquie, je crois, non? On y va régulièrement, 4 ou 5 fois par an, soit mon collègue, soit moi. Et il est à 1000 mètres, le... 1000 mètres, oui. Et c'est très profond comme lac, vous savez pas? Très profond, il fait jusqu'à 50 mètres. Et il n'est pas traversé par une rivière? C'est un lac ici qui est alimenté par une grosse rivière. Ah, il est traversé en somme. Oui, oui. C'est oui. Comme le lac de Genève. Comme le lac de Genève. Il est grand comme deux fois le lac de Genève. Mais là, les écrevisses qui sont dedans sont des écrevisses sauvages. Oui. Ce n'est pas. Elles sont, elles, c'est sont pas de l'élevage. Ce n'est pas de l'élevage. Non, non. Ah bon, d'accord. Alors vous allez les acheter là-bas. Voilà. C'est des crevisses de lac de montagne, ouais, naturelles, mmh, et qui qu'on fait dégorger ici. Voilà, et c'est après ça. Qu'on emploie. Voilà. C'est pour ça qu'elle est bonne d'ailleurs. Oui, vous voyez, c'est très belle. Elles sont très jolies. Après, les pintados, cuites avec des gousses d'ail qui vont servir de liaison de sauce. Les gousses d'ail ne sont pas épluchées, comme ça, elles ne sont pas amères quand elles cuisent. Oui. On les met en purée, ça fait la liaison de la sauce. Et puis vous mettez autour? Des perce-pierres, c'est des algues qui poussent maintenant et qu'on traite comme les cornichons au vinaigre. Ah oui. Et ça sert de condiment. Avec les viandes. Et... ensuite Après, il y a la fourme d'Ambert, c'est-à-dire c'est les fromages qui ont été faits au début du printemps et qui maintenant sont très bons. Ils sont à point. C'est-à-dire la fourme, c'est des fromages qui sont gros comme ça, ouais, et bleus. Et comme dessert, des fraises. Fraises bourguignonnes. C'est-à-dire on prend des grosses fraises, tâcher de ne pas les laver, les moins terreuses que vous pouvez trouver. Pas très hygiénique, ça, votre sel. Non, mais les fraises, bon, elles sont propres. Admettons, elles sont bien propres. Vous les coupez en quatre. Oui. Vous mettez du sucre, très légèrement, pour le rendre l'eau, un demi-jus de citron. Vous les faites macérer pendant 2 heures. Après, vous les mettez dans 4 verres et vous remplissez avec du vin rouge. De quel vin rouge? Oh, du Bourgogne. Du Bourgogne, bien sûr, bien frais. Oui, bien sûr. Parfait. Alors, bien, maintenant, on commence. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec vos écrevisses, là? Les queues d'écrevisses. Oui. Alors, voilà les queues d'écrevisses. Alors, elles sont vivantes, mais j'en ai fait cuire quand même un peu. Ben, les sœurs sont déjà cuites. Voilà, ça, oui. Celles-là sont cuites. Oui. Et maintenant, on va faire la nage. Ah, voilà. Alors ça, c'est pour 4 personnes. Pour 4 personnes. Oui. Vous mettez de l'eau au fond. Oui. Alors, vous avez des carottes, des oignons. 2 carottes pour 4 personnes. Oui, à peu près. Du céleri. 5 oignons. Voilà. Et c'est tout, ça, comme céleri? Oh oui, ça suffit. Ah oui, c'est très c'est fort. C'est assez fort. Bon. Les carottes, vous les cannelez. Enfin, si vous avez un canneleur. C'est plus joli, ça donne le j'ai goût. J'ai pas de canneleur, faut que j'achète un canneleur. Le goût, là, vraiment, ça donne aucun goût. Oui. C'est pour la vue. Ah, bon, ça c'est voilà. La décoration. Là. C'est uniquement la décoration. Si vous avez une mandoline, enfin, cet appareil à couper, vous vous en servez. Autrement, vous le coupez au couteau. Oui. Vous préférez quoi, vous ou la mandoline? Oui, c'est plus facile, c'est plus régulier. Ah, bon. Voilà, alors... Mais j'ai rien, j'ai ni canneleur, ni mandoline. J'ai l'impression d'être dans une cuisine vide chez moi. C'est... Vous voyez? Et c'est plus fin, c'est pas du tout comme... Voilà, si vous le faites comme ça, vous voyez, ouais. Ou à la main. Ah, oui. Vous voyez, si vous êtes assez à droite... C'est c'est très joli. Si vous êtes plus... si vous pouvez, je vais vous le montrer à la main. Voilà. C'est un tout petit peu plus épais, hein, mais oh, vous avez l'œil. C'est presque pareil. Oui, c'est à peu près la même chose. Pareil. Bon, alors les 2 carottes cannelées pour faire les petites fleurs. Voilà. Je vais finir celle-ci. Et ça dans l'eau bouillante. Voilà. Alors, comme les carottes sont plus longues à cuire que les autres légumes, on va les mettre dans l'eau bouillante. Bon. Et ensuite, voilà. Vous ajoutez alors du sel. Pincée. Toujours une pincée de sel. Il faut en mettre très peu parce qu'il n'y a presque pas d'eau. Oui, alors ça serait trop salé. Il faut mieux prévoir resaler après que de le mettre tout de suite. Alors voilà le sel. Vous mettez du poivre. 3-4 tours. Voilà. 1 tour par invité. Un petit bouquet garni dedans. Pourquoi vous mettez si peu d'eau?
pour ça, c'est pas la peine de mettre beaucoup d'eau, vous allez la faire réduire. Ça ne sert à rien, puisque on va se servir après de l'eau de liaison. Ah, et vous en avez très peu. Alors maintenant, nous avons 5 oignons pour 4 personnes. Voilà, alors vous faites les... comme ça. En rondelles, bien égales, bien fines. Vous enlevez ça, parce que c'est pas bon, c'est dur. Oui, c'est trop fort. C'est quand même pas très bon marché comme dîner. Hein. Oh c'est non. C'est assez onéreux. Non, non, c'est pas tellement... Non, je ne crois pas. Attendez voir. Vous vous achetez par 50 kilos, vous pouvez plus vous rendre compte. Non, entre... Mais nous, ménagers... Vous, les écrevisses, entre les écrevisses, le pintado et les fraises... Oui. Oh, ça ne peut pas venir à plus de 50 francs par personne. Oui, c'est le dîner de fête. Hein, enfin oui, c'est quand même le dîner de fête, oui. C'est le dimanche. Alors, vous voyez, vous les coupez bien régulièrement. C'est-à-dire qu'il faut que les oignons soient bien épluchés. Que les rondelles se fassent bien, vous voyez. Ah, vous décortiquez. Voilà, oui. Vous les... Ah bon. Après, vous faites le céleri, que vous émincez aussi tout doucement, comme ça. Le céleri est très nouveau, maintenant il va être très vite cuit. De toute façon, il faut tenir les légumes très craquants. Toujours, à la dent. Al dente, comme disent les Italiens. Voilà. Alors, vous ajoutez les oignons aux carottes. Alors, voyez, elles ont donc 3-4 minutes d'avance, vos carottes. Il y a une chose que l'on peut faire. Oui, je vais vous débarrasser. Vous avez besoin de la mandoline? Non, j'en ai plus besoin. Moi, je suis là pour ranger. Ce que l'on peut faire, facultatif, on peut mettre de l'échalote. Mais ce n'est pas obligé. Pourquoi facultatif? Or, il y a des gens qui craignent le goût de l'échalote. De toute façon, il y a de l'oignon et ça suffit largement. Mais enfin, on peut. Et aussi, une gousse d'ail piquée d'un coup de girofle. Voilà. Pas épluché. Non, non. Ah, c'est ça, on vous l'enlevera après. Jamais. Alors, vous goûtez vos carottes. Ça fait des carottes. Pas cuites, mais elles commencent à être. Ça va pas être loin, parce que les carottes à ce moment-là sont très très nouvelles et. Et quand même très tendres. Très tendres. Alors. Vous ajoutez, avant la fin de la cuisson des carottes, vous mettez tout ça. Les oignons. Vous ajoutez le céleri. Le céleri, les oignons. Et vous laissez mijoter. Voilà. Couvert. Maintenant, Non, je ne vais pas les couvrir. Attendez. Non, non. Et il n'y a pas assez d'eau et je vais mettre de l'eau quand même, parce que je vais avoir un problème. Ah, moi, ça me semblait un peu juste, votre eau. Mais ça dépend de votre puissance de feu. Je suis la profane, j'ose rien dire. Ça dépend de votre puissance de feu. Si le feu, si c'est une casserole inoxydable, si c'est... Vous aussi, vous avez... Ah oui, vous ne faites ça que dans cette casserole. Ah, oh, vous savez, la casserole... Combien d'épaisseur? Je sais que ça a une grande importance. Plus la casserole est épaisse, mieux ça va. Ah bon. Attention, mesdames, mes sœurs, casserole épaisse. C'est-à-dire que si vous couvrez vos légumes, surtout la carotte va perdre sa couleur. Oui. Ah bon, elle sera toute... Ah oui, il ne faut pas couvrir les légumes verts. Décolorée, toute grisâtre. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on décortique les queues d'écrevisse. Oui. On peut les ranger, celles-ci? Ah oui, celles-ci. Bon, très bien, on va les mettre à l'ombre. Voilà, vous prenez une écrevisse comme ça. Vous la faites, vous tirez vers vous la tête. Oui. Comme ça, la queue est beaucoup plus longue, parce qu'il reste beaucoup de... Après, vous appuyez comme ça. Regardez, c'est très facile. Vous enlevez les deux premiers anneaux. Oui. Vous appuyez un petit peu, et ça vient tout seul. Ces écrevisses n'ont pas été châtrées. Vous voyez, le châtrer, c'est-à-dire enlever... Ah non, bon. Non. Non, j'ai pas oublié. Ah, bon. Mais... Ça m'étonnait, un maître comme vous. Écoutez, c'est pas possible. Non, parce que... Ça ne sert à rien de les châtrer pour faire les cassolettes, parce qu'après, vous la retrouvez ici. Ah, et vous l'enlevez maintenant. Ah bon, donc au lieu de deux manipulations, vous n'en faites qu'une. Aussi, ça évite à la bête de souffrir inutilement, je crois bien. Oui. Oh, ben déjà, vous savez, votre régime n'est pas idéal. Bon, le bon moral des écrevisses. Oui, bien sûr. Elles en ont rougi de honte. Mais enfin, il faut bien manger. Et oui, c'est tout le problème. Alors, les végétariens, entre vous décortiquez. Oui. La nage cuit tout doucement. Alors, ça, et là, on la cuit à l'eau pour le moment, hein. Parce que si vous mettez dedans ou du vinaigre ou du vin blanc, ça vous empêche le légume de cuire et ça durcit le légume. Ah, donc en dernier, vous allez mettre du vin blanc. Le vin blanc, on va être maintenant. Alors ça, c'est du Sauvignon. Vous enlevez le bouquet garni. Vin du Poitou, les frères Trois-Gros, restaurateurs. Très bien. Voilà. Ça, c'est votre réserve personnelle. Oui, c'est des vins qui sont très secs. On met juste avant la fin de la cuisson. Oui, maintenant, vous avez... Quand c'est tout réduit, vous voyez, oui. Vous ajoutez le vin blanc. Alors, attendez, mais vous versez ça comme ça, moi, oh, puisque je vais...
Oui. Quoi, deux verres? Un verre. Un verre à moutarde, à peine plein. Oui. Aussi un grand verre. On va même en rajouter encore un petit peu. Bon. Voilà. Vous avez, et vous finissez de cuire. C'est votre jour d'économie, hein. Très peu d'eau, très peu de vin. Vous savez, pour faire la cuisine, ce n'est pas parce qu'on met beaucoup de choses que c'est bon. Non, je sais, c'est le... Hein, c'est juste la moyenne. C'est le talent. Vous voulez peut-être goûter. Ah oui, je veux bien. Mais maintenant, c'est un peu dur parce que... Je veux dire dur de goût parce que le vin n'est pas cuit. La carotte est à la dent, en tout cas. Hein? Quand le vin va être réduit, ça fera juste... Bon. Alors, on continue à décortiquer. Oui, je peux vous aider, si vous voulez, maintenant que vous m'avez montré. Mais j'en ai décortiqué dans le... Ah bon? Qui vont être... Voilà. Vous voulez me donner? Ah oui, je veux. Essayez voir pour voir. Ah bah, tiens. Alors, voyez, vous prenez comme ça. Oui. Non, vous la prenez à l'envers. Ah, vous je prends l'envers. Voilà, vous faites ça. Voilà. Vous enlevez le coffre. Alors, ça. Ça alors, maintenant, j'en suis où, là, avec vous? Là, oui. Vous appuyez dessus, ah, comme bien. Ça. Ah, comme ça. Pouf. Voilà. Hein, vous cassez la cœur. Oui. Vous enlevez les deux anneaux. Je ne sais pas si j'en ferai souvent, moi. Et vous enlevez voilà. Le boyau. Oh, je suis en retard. Oh là là. Oui, mais c'est une chose que l'on peut faire, ça, le matin. Oh, vaut mieux. Moi, j'aime me lever à 5 heures. Mais non, vous voyez, j'en ai fait un petit peu, d'ailleurs, pour aller un peu plus vite. Je serai juste prête. Hein? Voilà. Oh, tiens, je suis comme vous. Voilà. Tenez, regardez. Vous voyez, c'est les mêmes. On les a fait avant. Mais vous pouvez... Vous savez, ce plat, si vous faites ça le matin... Oui. Vaut que l'écrevisse toute prête le matin, vous allez voir après le temps qu'ils vous font. Au moment du repas, c'est très rapide. Ah, c'est très, très rapide. Il faut les cuire à l'eau non salée. J'ai oublié de vous le dire. Vous n'y mettez rien dans l'eau. Et vous les cuisez quand l'eau bout. Vous mettez les écrevisses dedans, deux minutes d'ébullition, et c'est fini. Et après, vous... Ne mettez pas de sel. Si vous mettez du sel, le sel colle l'écrevisse à la carapace. Ah bon? Et vous êtes, c'est beaucoup plus difficile. C'est important, c'est pour ça que c'est plus difficile. Oui, et c'est beaucoup plus... Mais elles n'ont pas été salées, celles-ci. Ah, bon. Bon, maintenant... Le sel colle. Voilà. Alors, attendez, j'ai débarrassé, moi. Oui, oui. Ça, c'est mon rôle. Voilà, on va mettre les écrevisses ensemble. Je vais enlever ça. Bon, alors maintenant, tout à l'heure, on a mis 2 carottes, 4 oignons. Mais par rapport aux écrevisses, je crois que ça fait beaucoup. Alors, vous calculez votre garniture par rapport... À la vue, presque. Oui. Bon. Vous êtes obligé quand même de composer après. Bon, vous enlevez, vous voyez, pour le nombre d'écrevisses, ça devrait suffire, vous voyez. Très bien. Voilà. Donc, c'est presque une carotte et 3 oignons. Oui, ça dépend de la quantité d'écrevisses. C'est peut-être un petit peu court pour 4. Ça dépend combien de plats vous avez, si vous mangez... Oui, si vous aimez 2 ou 3 plats, ou si vous aimez. Alors, vous remettez ici. Vous faites réduire. Il faut un feu maintenant. C'est pour la sauce. C'est pour la sauce. Maintenant, il faut un plat quand même, un plein feu, vous voyez, un feu qui aille assez vite. Prenez le beurre. Du beurre demi-sel Non, moi je prends du beurre. Et je vais même vous dire une chose, je prends des beurres qui ont de l'eau dedans. C'est-à-dire, c'est légal, c'est... Oui, oui, oui. Mais des beurres qui ne sont pas trop lavés. Parce que vous allez voir pourquoi, quand on émulsionne le beurre, si le beurre est trop sec, ça, la sauce tourne. Parce que là, il n'y a plus de liant maintenant. Ah ça, alors, vous voyez, c'est des choses qu'on ignore totalement. Vous voyez, il n'y a aucun liant dans la sauce. Oui. Il y a juste le vin blanc, les échalotes. Enfin, les échalotes donnent aussi une espèce de jus qui colle. Oui. Et ça, vous allez voir le beurre qui... Comment... Alors, une cuillère pour 4. Non, non, une cuillère par personne. Non. Oh là là. Oh. Voilà, vous voyez. Alors, et vous le montez tout doucement. Et vous faites bouillir, vous allez voir. Donc, deux grosses cuillères à soupe pour 4. Oh, encore, je vais en mettre encore. Vous allez en remettre. Oui, oui. Vous voyez. Mais alors là, je conseillerais quand même le gaz. Le gaz avec un feu très puissant. Quoique celui-là est déjà très, très fort. Mais plus le feu est puissant, plus le beurre va lier. Vous voyez, vous continuez. Vous voyez, regardez, il va mousser. Oui. Et ça, c'est parce que le beurre n'est pas très sec. Oui, et puis j'ai laissé quand même de la cuisson au four. C'est très important. Si c'est à sec, ça va faire comme du beurre noisette. Ah oui, oui, bien sûr. Alors là, brûlé, oui. Alors, vous voyez. Non, non, il y avait tout un fond d'eau, déjà de bouillon. Voilà. On vient le finir. Vous voyez, le beurre lit, vous voyez, regardez, vous voyez, ce lit. Ça y est, maintenant, tout est bien. On va le laisser mélanger. Encore une toute vous petite minute. Un petit peu. Oui, c'est très difficile. On ne peut pas dire minuter exactement.
Et cette question de ce qui reste comme liquide au fond et le beurre, s'il est humide ou pas. Bon. Alors voilà, vous voyez. Alors j'enlève ça. Ça. Vous mettez les queues d'écrevisse dedans. Est-ce que ça sent bon? Vous remuez. Si vos écrevisses ont été décortiquées au moment, c'est pas la peine de faire échauffer. Oui. Celles ont Sinon, été vous repassez un petit peu. Et vous ne rajoutez pas de vin. Hein, le vin, c'est terminé. Non, le vin est terminé. Bon. Le vin, il faut qu'il cuise. Si vous le mettez à cru, ça devient ainsi, ce n'est pas bon. On le sent trop, il est trop fort. Voilà. Voilà, vous allez goûter. Oh oui, on met tout de suite. Allez-y. Merci. Le sel et le poivre, ça va. Et maintenant? Parfait, moi je suis prête pour passer à table. Vous mettez... Il manque rien. Un jus de citron, ça dépend, c'est le goût personnel qui joue. Oui. Moi j'aime la cuisine très relevée, acide. J'ajoute un jus de citron. Moi aussi j'aime bien. Et alors, c'est bon pour la digestion. Vous mettez ici, à part la ciboulette qui a un goût d'ail, vous pouvez mettre surtout l'estragon, le cerfeuil. Ah bon, on remet persil, un bouquet de... Oui, frais. Voilà. Au dernier moment. Au dernier moment. Et au dernier moment, même si c'est salé maximum, du sel cru. Et toujours un petit, et un petit coup de moulin. Voilà. Après toujours. La cuisson. Ah oui, tout le temps. Du sel et du poivre. Je crois que c'est très important dans la cuisine. Qui ne cuiront pas. Voilà. Et on va dresser dans les casseroles.